Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 8 du pass de combat de la saison 6. Alors tout simplement dans cette vidéo je vais réaliser le défi qui est de danser avec un trophée de pêche à des lieux différents dits. Enfin des lieux dits différents, ouais, j'ai lu un peu à l'envers mais c'est pas grave. Alors comme je vais faire ce défi, ben, je vais vous présenter un tuto en même temps, comme ça ben, je le fais pour moi et je le fais aussi pour vous. Donc c'est parti, je vais lancer en domination disco, je suppose que ça doit fonctionner. Donc je vais lancer en ça, et c'est parti, ce sera plus simple, comme ça la moitié de la map, bah, déjà la zone elle se rétrécit déjà moins vite, et la moitié de la map est entre guillemets on va dire des alliés. Et en plus je peux respawn tout le temps. Le seul inconvénient de la domination disco c'est qu'il faut rester jusqu'à la fin de la partie, mais si vous faites un top 1, bah, vous gagnez 1000 XP, donc c'est quand même bien avantageux aussi parce que vous gagnez pas mal d'XP. Donc là, je vous affiche une image avec tous les emplacements poissons, donc des trophées à poissons où il va falloir danser avec. Donc il y en a à Junk Johnson, à Lazylings, à Risky Reels, à Winningwood, à Lonely Lodge, au-dessus de Dusty Divo, à Retiro, à Fatal Field, à Tilted Tower, à Greasy Grow et à Snowy Shore. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement à Junk Johnson. Donc bien sûr, je mettrai le lien de ma source en description. Donc c'est un site internet qui est Deserto. Et ben il y a les emplacements hein, qui sont notés tous sur le site, donc n'hésitez pas à aller voir. Parce que moi je vais faire 7 emplacements, je vais vous montrer 7 emplacements, je vais pas tous vous montrer. Alors on va aller à Junk Johnson. Donc Junk Johnson, c'est dans le grand bâtiment, dans une chambre au premier étage, vous trouverez un trophée de poisson au-dessus du matelas. Ok, donc il y a une pièce dans un grand bâtiment, dans une chambre au premier étage. Donc je suppose que ça doit être ici dans le bâtiment là, donc on va y aller directement. D'abord on va voir s'il n'y a pas une arme quelque part, parce que s'il y a des ennemis ça va être compliqué. On va prendre le coffre juste là et je vais monter à l'étage pour vous montrer le trophée de poisson. Donc j'ai trouvé le trophée de poisson, il est juste ici. Donc il disait que c'était au premier étage, mais en fait c'est au rez-de-chaussée, hein, c'est à peu près là où vous voyez. Donc là j'ai ouvert le coffre qui était là-bas, c'est juste ici. Donc je pense qu'il suffit juste de danser devant, on va voir. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et oui, effectivement. Et en fait, quand vous dansez, ça fait danser le petit poisson. Il y a une petite musique qui joue et tout. C'est assez stylé. Donc maintenant, nous allons aller... Enfin, je vais aller à Lazylings. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut construire des rampes puis sauter à... au bout de 3 rampes de hauteur. Vous pouvez déployer votre parachute. Donc ça, c'est assez cool pour se déplacer. En plus, il y a des petits ballons là. Nickel. Ok, il y a un ennemi juste là. Ouhou ! Une balle et je l'ai tué. Merci, merci. Merci le poteau. Ça fait plaisir. De toute façon, il peut respawn, hein. Faites gaffe à ça. Oh, il y a une tourelle. J'ai jamais testé. On va tester. Ah, carrément, ça se met dans les pièges. Oh, c'est stylé, ça. Alors, pour ceux qui se posent la question, c'est quoi un cramponneur? C'est ce que je suis en train d'utiliser. Donc là, j'ai eu le défi qui s'est affiché. Et un cramponneur, ben, c'est tout simplement un grappin. Alors, on va faire ce petit défi-là. Ah, what? C'est quoi, ça? Activé. Oh, ça déchire. Ouais, je pourquoi que... Ah, je dois tirer dessus, je crois. Quoi? Pourquoi il a disparu? Ah ben, je pense qu'il l'a cassé, en fait. Franchement, c'est vraiment insane. La partie, elle a commencé depuis au moins 5 minutes. Il n'y a personne qui a pris un lieu de disco, quoi. Mais tout le monde qui s'en bat les steaks, mais royalement, quoi. Oh, il y a un lama. Alors ça, je m'en bats pas du tout les steaks. Hein. Oh, mais ouais, comme par hasard, lui, il l'a vu aussi. Putain. Chier, ça. Alors, Lazylings, il est marqué « Allez explorer la boutique de cadeaux, vérifiez derrière le comptoir des commerçants. » La boutique de cadeaux, je pense que c'est la boutique qui se trouve près de la piscine. Mais après, je suis pas sûr du tout. C'est pas ici, je crois que c'est ici. Hein. Non, ce n'est pas ici. Alors, la boutique de cadeaux, bah, pourtant, moi, non, c'est peut-être pas ça. Alors, une boutique de cadeaux, ça doit être à l'intérieur. Hein. On va aller voir ça. Ah, c'est peut-être là la boutique de cadeaux en fait.
Ouais, je pense que c'est ça. Regardez, là, il y a des t-shirts et tout. Donc, à mon avis, ça doit être ici. Ok, il est juste là. Donc, il est à gauche de la maison. Donc, à gauche de la maison, voilà. Donc, je vais vite danser parce qu'il y a la zone qui arrive. Hop. Une petite danse. Et voilà! Je suis la famille. Deuxième poisson. Maintenant, on va aller voir pour un troisième poisson. Donc, on est où ici? Il y en avait un. Tout prêt à risquer Rails. Ouais, mais le problème, c'est que. Ça va être compliqué. Je suis en hors zone. Mais c'est rien. On va essayer. On va quand même essayer d'y aller. Ah non, en fait, ça peut pas aller du tout. Impossible. Impossible. Donc, on va aller faire celui qui est à deux Stidivo. Donc, dans les dinners, là, juste ici. Hop. Ah, juste ici. On va aller faire celui-là. Et on pourra peut-être aller faire celui qui est à Retiro après. Et après, ben, faudra que je relance une game pour faire ce qu'il me reste à faire. Alors, dans deux Stidivo. Donc, deux Stidivo, il est où? Peut-être trouver au deuxième étage dans le petit bureau, ma man. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Deuxième étage dans le petit bureau. Donc, je suppose que c'est le hangar de droite. Donc, à l'étage dans le petit bureau. Ici, il y a un petit bureau. Donc, ça doit être ici. On va aller voir. Ah, le petit bureau, à mon avis, il est ici. Voilà, nickel. Juste ici, on fait notre petite danse. Yeah, ma man. Ok. Il m'a fini en une balle, lui. Bien joué. Bon, donc là, bah, ça fait 3. Donc maintenant, on va aller directement à Retiro. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il vient par derrière et tout. Il veut me défoncer. Éliminer au fusil d'assaut. Ok, nice. C'est cool, ça. Allez, moi, je veux juste aller à Retiro. Donc, à Retiro, il y en a 2 à trouver. Ah, carrément, il y en a 2. Un grand à l'extérieur et un à l'intérieur. Hein? Ouais, bah, la description, mon gars. Il y en a 2 à trouver, un grand à l'extérieur et un grand à l'intérieur. Ok. Ok, chef. On va chercher ça. C'est comme si je devais chercher une aiguille dans une boîte de foin, ils sont sérieux. Ok, c'est bon, j'ai trouvé le grand poisson. Je sais pas s'il fonctionnera. C'est possible, hein. Je sais pas du tout, je vais essayer. Et je suppose qu'il y en a un juste à l'intérieur et ok, il fonctionne bien. Donc, hop, on va danser. Voilà, c'est mon quatrième. Le cinquième est juste à l'intérieur normalement. Il m'a dit qu'il y en avait un à l'extérieur et un plus petit à l'intérieur. Voilà, il est juste ici, ma man. Oh là là! Quoi? Ah, parce que ça compte pas. Ah, ça compte pas. Ok, celui de l'extérieur, il compte. Il compte pour les deux. Celui de l'intérieur compte pour celui de l'extérieur et vice-versa. Donc bah, maintenant, je vais faire des petits kills les potos. On va essayer de se faire plaisir jusqu'à la fin de la partie. Et après, on relancera une petite game. Mais là, je ne lancerai pas en domination disco, je lancerai en solo ou quoi, on verra bien. Donc voilà, je vous tiens au courant si je fais des kills. Allez, j'ai posé ma tourelle, je me demande. Ah, ok! Ah, je dois me mettre dedans. Ah ouais, ça pète. Ah ouais, mais le snipe, il va me défoncer. Oh. Non! Fais chier! J'allais le tuer, fais chier. Regardez comment je danse bien. Ça, c'est exactement ce que je fais quand je suis dans une boîte. Je fais salut tout le monde, ce soit cool au Mike. Oui, bim, voilà, un de plus. Allez, deux de plus, voilà, on me tire dessus. Allez, trois. Et où le suivant? J'ai peut-être pas de snipe, mais ça va, j'arrive à bien viser loin avec cette arme. Ouh, voilà, les quatre. Le suivant, il est où? Ah là, il y en a un. Il est en train de tuer mon pote. Faut pas le laisser faire. Oh, ça va aller avec ta mitrailleuse là. Putain, frère. On va un peu voir ailleurs si j'y suis. Là, il y en a un. Voilà, boum. Qu'est-ce qui se passe là? Ouh, on est chaud. Oh, ah merde, j'ai plus de construction. Voilà, comment faire des kills facilement? Allez, en domination disco. Oh, là, il y a un ennemi. Putain. Une balle, il lui manquait, allez. Voilà, je m'en bats les couilles, je l'ai quand même eu. Je l'ai eu. Celui qui lui manquait une balle, là. On va prendre sa grosse popo maintenant. Fin des réapparitions. Enfin, ça c'est bien, parce qu'il le note à partir de la prochaine zone sûre. Ok, ouais, je sais pas s'il le note avant, mais je me souviens qu'une fois j'ai joué, et puis j'avais plus de réapparition, et là je suis là, je meurs, et je me dis, mais what the fuck, je peux plus réapparaître. Et puis après seulement j'ai remarqué que je pouvais plus réapparaître. Donc voilà, là c'est bien qu'ils le préviennent un mois à l'avance quoi. Enfin, là il y a un ennemi, hop, 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 ouh, 4 balles, 4 touches. Allez, regarde lui, boum, boum, boum. Oh non! Mec, reviens, reviens, reviens. Allez, bim, qu'est-ce qui se passe? Franchement, trop facile en domination disco là.
Moi, je kiffe, hein, je kiffe. Je kiffe ma life, hein, quand on est dans des moments pareils, là. Regarde-moi ça. Même en glissant, regarde. En glissant, mon gars, je le défonce. Regarde ça, regarde. Oh non. Oh non, il y en a un autre, là. Oh non. Oh oui, c'est beau, ça. Oh, ça, c'était beau, ça. Double tête. Allez, il y en a deux. Il y en a peut-être moyen que je les tue tous les deux. Oh, il m'a mis un truc au-dessus de moi. Qu'est-ce qu'il fout, là, lui? Putain, il m'a mis un de ses one dans la gueule, fou. Il m'a trop fait peur. Putain, j'ai eu de la chance parce que bientôt, je pouvais plus réapparaître. Donc, je suis vraiment mort, on va dire, au bon moment. Parce que dans 30 secondes, je peux plus réapparaître. Donc, j'ai 30 secondes pour tuer ce type-là juste en dessous de moi. Et lui voler son snipe. Oh oui, je vais attendre que les 30 secondes soient passées. Je lui vole son snipe. Vous voyez comment faut faire? Faut la jouer en soum-soum. Non, il m'a vu. Non, il m'a vu. Non, il m'a pas vu. Allez, faut que je le tue. Et dans 30 secondes, dans 8 secondes. 7, 6, 5. Non! 4, 3, 2, 1. Non, je peux réapparaître. Oui, je peux réapparaître parce que, ouais. La réapparition sont désactivées. C'est maintenant que je dois aller le tuer, frère. Allez, ne me dis pas que je peux pas réapparaître. Ah non, si, c'est bon, je peux réapparaître. Ouf, c'était chaud, ça, c'était chaud. Où est-ce qu'il est? Maintenant, je vais me venger. Il est là. C'est bon, je vais me venger, mon gars. Alors là, mon gars. Ah non, ils sont deux. Oh non, ça craint. Ils vont me défoncer. Je prends un risque énorme. Oui, c'est bon, je les ai tués tous les deux. Je vais pouvoir prendre leur stuff. Magnificos. Ça, c'est du lourd, ça. En plus, il a le sniper que je voulais. Wouhou! Alors là, ouais, je suis un vrai chacal, moi. Là, j'avoue que j'ai fait le vrai chacal. Ah, il y a un type, il est en train de le rire. Oui, bim, qu'est-ce qu'il y a? Boum. Ah putain, je tirais dans son chien. Je me dis, mais what the fuck, il meurt pas. En fait, je crois que c'était sa tête, mais en fait, c'était son chien. Ouais, s'il en reste 4 dans notre équipe. 4 dans notre équipe, ils sont sérieux, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Qu'est-ce qu'ils ont branlé? Ah, ça sent le caca. Ça sent très le caca, ouais. Ah ouais, là, ça sent plus ou moins le caca, là. Ah, ok, il est juste au-dessus de moi. Faut que je me casse. Et voilà, tiens, mon gars. Qu'est-ce qu'il y a? Kill papa, là, hein? Foiré, là. Oh! Il y a quelqu'un, là. J'entends quelqu'un. Là. Non! Non! 74, mon gars! Et on a fait un top 2. Pourtant, on a plus de points. On a 97 points. Ah, ouais, ok. Je pense que il faut soit faire 100 points avec les boules disco, ou soit ben, c'est la mort subite. Hein, et celui qui reste, l'équipe qui reste en vie. Donc voilà. Bon, ben, c'est parti. De toute façon, je relance une partie et je vous montre les deux derniers emplacements que je vais faire pour avoir ben, mon défi des poissons. Alors, j'ai déjà été à Lazylings. J'ai déjà été à Dusty Niveau. Je vais aller à Risky Reels. Risky Reels. Et juste à côté, il y a Winningwood et puis après, il y a Lonely Lodge. Donc, je vais sûrement faire que Risky Reels et Winningwood. Si, bien sûr, je ne meurs pas entre-temps. Ok, donc ils disent, trouvez l'immeuble avec un écran vert. Dirigez-vous vers le deuxième étage. Donc, l'immeuble avec les murs en vert, c'est celui-là. Et le deuxième étage, ben, c'est juste là où je suis. Donc, normalement, il devrait être ici. Voilà, nickel. Je danse devant. Je prends mon petit coffre. Quoi ? Ah, je dois encore en faire deux. Ah, y en a un qui s'est pas validé tout à l'heure ou quoi? Je ne sais pas, c'est chelou. C'est pas grave. Je vais faire ben, Willingwood et Lonely Lodge alors. Hein, c'est parti. Alors oui, je suis mort. Ne vous moquez pas, s'il vous plaît. C'est pas sympa. MDR. Non, mais c'est un joueur cancer. Il m'a tué avec son bazooka. J'étais dégoûté. Enfin bref. Donc là, on va à la Willingwood sous le labyrinthe de haies. Caché dans le bunker souterrain, au deuxième étage, vous devriez pouvoir trouver un total de 3 trophées de poissons. Carrément, 3 trophées, mais je pense pas qu'ils fonctionnent tous les 3. Hein. Je pense que ouais, c'est un poisson à différents lieux dits. Donc ouais, effectivement, c'est bien dit dans le défi que c'est à différents lieux dits. Alors là, ben, pour aller dans le bunker, il suffit juste d'aller là. Hein, vous allez casser le sol. C'est ce que je vais faire et normalement, je vais atterrir dedans. Je ne suis plus sûr, mais je pense que c'est comme ça que ça se passe. Voilà, effectivement, j'ai cassé le sol et je suis atterri directement dedans. Donc, je sais qu'il y a un poisson. Bah voilà, ils sont tous les trois là. On va les faire tous les trois ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, capitaine! J'ai pas entendu. Quoi, il y en a qu'un qui danse? Putain, c'est vraiment de l'arnaque. Rien que pour ça, je vais les casser. Oh, je peux les casser? Non! Ah, je peux pas... Je peux casser celui-là?
Non. Oh, ça, c'est vraiment trop de la merde, quoi. Parce que après, bah, si tout le monde s'amuse à les casser, ben bah, vas-y pour faire ton défi, quoi. Ça va être compliqué. Enfin bref, maintenant nous allons aller à Lonely Lodge. Si bien sûr je ne me fais pas tuer entre-temps, comme d'habitude. Ouais, c'est nouveau ça. Ouais, c'est nouveau. Ah oh, ouais, c'est génial. Oh, c'est génial. Il y a des téléporteurs pour passer d'un endroit à un autre, d'une maison à une autre. Ça, c'est pas mal du tout, ça. C'est parti pour le Nilodge. C'est parti. Avec mon petit dragon, regardez comme il est beau, il est mauve, il est rose. Putain, pourquoi il est rose, frère? Il est trop moche, en fait, en rose. Mais sinon, il est quand même stylé. Regardez quand je saute, il ouvre la bouche, il est tout content. Youpi! Je joue avec son cool mec sur son dos. Youpi! MDR. Allez, c'est parti, on va à Lonely Lodge, on va faire du sale, ma main. Non, 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 on va pas faire du sale, on va juste danser devant un poisson. Ne t'emballe pas, mon petit, sois cool. Ah, j'avais pas vu qu'il y a des petits logos dessinés sur les bateaux, les ballons. Wouhou! Comme c'est beau! Waouh! Wow. Non, 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 pourquoi? Mais quoi? Mais quoi? Pourquoi mon parachute, il s'ouvre pas, frère? Non, non. Vous êtes en train de me dire que je peux pas redéployer mon parachute quand je lâche les ballons. En fait, les ballons ils ne servent plus à rien en mode normal, quoi. Ok, c'est bon, j'ai compris. En plus, j'étais bien loot et tout. Voilà, je dois recommencer une game pour rien du tout. Merci, merci Activision. Non, qu'est-ce que je raconte? Merci Epic Games. Merci. Franchement, merci. Félicitations. En fait, les ballons ils servent toujours, hein, parce que vous devez descendre en altitude en lâchant un ballon par un ballon. C'est comme ça que j'en ai déduit là. Je viens de réfléchir 2 petites secondes. Voilà, ça a fumé. Et puis, cerveau en éruption. J'ai compris ce qu'il fallait faire. Quand vous avez un ballon, vous montez en hauteur et puis après vous lâchez un ballon par un ballon pour redescendre. Mais par contre, je ne sais pas si j'aurais pu réactiver des ballons quand j'étais en chute libre. Parce que après, c'est possible. C'est possible. J'ai pas pu essayer. Moi, j'ai appuyé sur X comme un con. Et bon, voilà. Enfin, bref. Ici, à Lonely Lodge, il faut aller à l'intérieur de la plus grande cabine, au premier étage. Ouais, donc cabine, j'ai compris que c'était maison, je suppose. Cabine, la plus grande cabine. Non, je crois que c'est ici. Visiter Lonely Lodge et Retiro, c'est ça? En une seule partie? J'ai pas bien vu. Alors, il est où le truc? Y a pas. Ici. Bon, attendez, je cherchais peut-être vraiment une cabine. En fait, une cabine, c'est une petite cabane, peut-être. Ouais, une petite cabane, peut-être, c'est ça qui voulait peut-être dire, je sais pas. Ouh! Je lui ai mis mal, je lui ai mis mal, je lui ai mis mal, vas-y. Vas-y, dégage, mon gars, je t'ai mis mal. Laisse tomber. Je veux pas mourir, ma main. Ouh! Je suis pas mort et je l'ai défoncé. Putain, il m'avait mis sale quand même avec sa M1. J'ai mis 110 avec mon snipe. Bon, la plus grosse cabine, qu'est-ce que c'est, nom de Dieu? Putain, wesh, ils disent au premier étage. À chaque fois qu'ils disent au premier étage, en fait, c'est rez-de-chaussée sur ce site. Ils ont vraiment un problème de traduction. C'est pas possible. Regardez, il est juste là. Il y en a 3 même. Il y en a un là, il y en a 2 là. Donc voilà, j'ai enfin fini. Regarde, je l'ai fait danser tous les 3 moi. J'ai un thug life. Quoi? Hey. Donc voilà, je vais juste tuer TheKerry78. Voilà, mon petit gros ours. Voilà, et maintenant je vais me suicider. Allez, c'est parti et je vais vous montrer que le défi s'est bien validé. Même si vous avez pu l'apercevoir juste en haut à gauche, mais voilà, je vais quand même vous montrer. Important, hein, très important, vous suicider et ne pas quitter la partie en faisant star option quitter. Hein. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Parce que sinon, vous allez devoir refaire tous les emplacements que vous avez fait sur cette partie. Il faut vraiment finir soit en mourant ou soit en faisant un top 1, top 2, top 3. Ça dépend de votre niveau de, bah, de PGM, quoi. De pro gamer, les potos. Ok, donc j'ai mon gain de palier, voilà, récupéré, merci, objet obtenu. Et maintenant, quand je vais dans défi, semaine 8, vous pouvez apercevoir que j'ai fini de danser avec un trophée de pêche à des lieux-dits différents. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire. J'espère que vous, ça vous plaira de la regarder. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool au Mic et ciao! Peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh.